Approvisionnement en eau potable, deux camions citernes pour la Jirama. Le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène a réceptionné hier à Kourndjam deux camions citernes supplémentaires pour renforcer la capacité de la Jirama dans l'approvisionnement en eau potable dans la ville d'Antananarivo. Cette dotation remise par l'UNICEF a été rendue possible grâce à un fonds octroyé par le Royaume de Norvège. Le représentant de l'UNICEF à Madagascar, Michel Saint-Lô, a indiqué que l'eau est un élément vital de la vie. De l'eau propre, c'est crucial pour la santé, pour l'hygiène. Et nous sommes convaincus que c'est comme ça aussi très important pour faire la population plus résistante de Covid. Le ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène n'a pas manqué de rappeler l'importance de l'accès à l'eau potable en ce temps de pandémie. Actuellement, la pandémie du Covid sévit encore à Madagascar. Et nous aimerions rappeler les gestes barrières, tels que le port du masque, gardez vos masques, lavez-vous les mains fréquemment avec de l'eau et du savon. Et aussi maintenir les distanciations sociales. L'eau est cruciale pour la santé et l'hygiène. La Norvège espère que ces matériels serviront à améliorer la résilience des populations dans les zones les plus marginalisées.